Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'un de mes cadeaux de Noël et vous annoncer en fait quelque chose qui va être un petit peu sur le long terme, puisque je vous présente cet appareil, c'est-à-dire le Silk & Face Tit. Alors comment se présente cet appareil? On le reçoit dans une trousse comme ceci, qui est une trousse coffrée, enfin bon bref. Dans laquelle, je vais essayer de ne pas le faire tomber, vous avez donc le cordon pour le brancher. Alors l'inconvénient c'est qu'il faut rester branché. Peut-être qu'il y aura des versions qui auront plus besoin de cela, mais en fait ça réclame pas mal d'énergie. Donc en fait pour l'instant il ne peut pas y avoir une batterie qui puisse se substituer à une prise, donc vous êtes condamné à rester au bout de votre prise électrique. L'appareil lui-même, vous voyez comme ceci, qui est assez léger, et puis un mode d'emploi avec est fourni un premier tube de gel de glisse slider gel, et celui-ci est à l'acide hyaluronique. Alors ça c'est un premier inconvénient par contre, c'est que pour retrouver exactement le même gel, eh ben, c'est un petit peu compliqué. Si vous cherchez sur Amazon, ou moi j'ai acheté l'appareil sur la Redoute parce que j'avais de grosses réductions dessus, enfin je l'ai acheté, oui je l'ai acheté, après donc on a fait un trafic parce qu'on me l'a offert pour Noël, mais donc du coup c'est moi qui l'ai acheté en premier. Quand on veut racheter le gel, c'est le gel de glisse tout seul, sans acide hyaluronique. D'ailleurs, ça peut marcher avec n'importe quel gel lubrifiant à l'eau. Alors, je sais pas si ça marche avec les trucs pour les préservatifs, j'en sais rien, oui, enfin, de rayon pharmacie. Je sais pas, j'ai pas essayé. Moi, je me suis contentée de celui-là. Et en fait, le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique, ça me plaît pas mal. Parce que je trouve qu'en même temps, c'est traitant. Donc, je vais essayer de retrouver le même. Mais le seul endroit où je l'ai trouvé pour l'instant, c'est le site de la marque. Donc de l'appareil, et là pour le coup ce qui est un petit peu rebutant c'est les frais d'envoi, donc je vais commander je pense 2 tubes d'un coup, et voilà, mais ça c'est un peu le truc un peu pénible quoi, si je peux me permettre. Alors cet appareil comment marche-t-il? Donc je vais ça va aller très très vite hein. Dans mes résolutions il y a celle de faire des vidéos plus courtes, donc je vais aller vite. Donc vous branchez votre appareil, vous mettez une pointe de gel. Alors vraiment je vous assure, il faut pas en mettre des tonnes. Moi j'ai lu, il y a des gens qui vident leur tube en deux, ça sert à rien, il faut en remettre au fur et à mesure parce que le gel il sèche. Donc si vous en mettez 3 tonnes, il va sécher, vous faire un gros pâté, ça sert à rien. Donc vous en mettez, je vais même pas vous montrer, vous en mettez l'équivalent d'une noisette, vraiment d'une noisette. Et votre appareil vous allez l'appliquer sur la peau, et quand vous allez l'appliquer, il va s'allumer. Alors avant cela, vous voyez, vous avez ici un bouton avec les graduations. Quand vous branchez votre appareil, tout ceci clignote. Vous appuyez une première fois, le 1 va s'allumer, puis le 2, puis le 3 au fur et à mesure que vous faites des pressions dessus. L'idée c'est de commencer à 1, de voir ce que ça donne, puis de monter à 2, puis de monter à 3, puis à 4, puis à 5. Quand vous appuyez et vous mettez l'appareil en contact avec votre peau, il s'allume et vous faites des va-et-vient ainsi. Donc, première zone, c'est celle-ci, comme ceci. Donc, vous dessinez une espèce de poire, là, comme ça, qui prend la pommette et le contour de l'œil, enfin, sous l'œil. Et vous faites des allers-retours donc, sur cette zone, si vous voulez la traiter, bien sûr, pendant 15 minutes. Alors, il faut savoir que ça, là, ça n'a l'air de rien, et c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est-à-dire que si vous êtes à 5, donc plus évidemment, plus vous mettez sur la puissance, une puissance forte, et plus ça marche. Mais à 5, je vous assure que vous n'avez pas intérêt à faire autre chose et à oublier que vous avez l'appareil en contact avec votre peau, parce que ça brûle. Donc, évidemment, attention, vous n'allez pas vous retrouver avec une brûlure comme si vous aviez été sur une flamme, mais vous le sentez. C'est très chaud, donc vous allez vous arrêter
Et donc vous allez voir, il faut vraiment avoir un mouvement régulier. Quand le gel a séché, vous en remettez, etc. Et pendant 15 minutes, vous passez sur la zone. Ensuite, vous pouvez faire une autre zone ici. Ensuite, la zone là du sillon nasogénien et le dessus de la lèvre. Ensuite, cette zone-ci, le front et éventuellement le cou. J'ai pas essayé, il n'y a pas marqué qu'on peut le faire sur le décolleté. Faudra peut-être que j'essaye un jour, je verrai à ce moment-là. Alors, quels sont les effets de cet appareil? Alors, cet appareil, son avantage, et ce qui fait que d'ailleurs, je l'ai préféré au Nuwa. Nuwa, je pense qu'on doit le dire comme ça, que j'avais en ligne de mire et que je vous avais présenté sur une wishlist, la Redoute, justement. C'est que le Nuwa n'utilise qu'une seule sorte de traitement, si je puis dire, dermatologique, alors que celui-ci en a mis trois à la fois, dont celui du Nuwa. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, il utilise d'une part les rayons infrarouges, donc c'est eux qui vont faire de la chaleur. Et ça, c'est vraiment, je vous assure, ils en font. C'est pas de la blague. Hein. Donc des rayons infrarouges, je regarde hein, pour ne rien oublier, donc qui affectent la couche supérieure de la peau et en améliorent la texture. Donc ça, c'est, je vous explique au fur et à mesure, parce que je ne me rappelais plus qui correspondait à quoi. La thérapie laser faible puissance qui atteint le derme et permet la réjuvénation et la restauration du collagène. Et enfin, l'énergie à fréquence radio bipolaire qui pénètre en profondeur dans la graisse sous-dermique et permet de raffermir les tissus et d'estomper les rides. Voilà, donc, voilà qui fait quoi dans l'affaire du point de vue des énergies. Ce qu'il faut faire, donc vous avez vu, il faut passer 15 minutes par zone. Le traitement d'attaque, c'est 2 fois par semaine pendant 10 semaines. Donc là, je l'ai eu à Noël, ça va faire à peu près 4 semaines que je l'utilise. Je peux déjà vous dire ce que j'en pense en partie. Donc, c'est vrai que c'est un peu long, faut le dire. Voilà, il faut se bloquer. En plus, moi j'essaye en même temps de travailler ou de faire autre chose. Et donc régulièrement, je fais aïe, ça brûle. Alors donc je continue, puis c'est pas pratique, vous avez une main qui est prise. Bon. Donc ça prend un peu de temps, c'est pas super pratique. Mais par contre, d'abord, alors bon. On ressort, mon mari se fout de moi à chaque fois parce que je suis écarlate, parce que vous êtes vraiment rouge. Bon. Mais on voit très bien que la peau est regonflée. Déjà, c'est la première chose. Et dès les premières séances, alors, il y a marqué que normalement, c'est au bout de 5 semaines d'utilisation, donc du coup 10 séances, qu'on voit les premiers résultats. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'en ai vu quasiment tout de suite. Donc d'abord la peau est beaucoup plus éclatante, elle est comme regonflée et là les sillons nasogéniens qui sont ma bête noire, ils sont effectivement regonflés et moins visibles. Le problème pour l'instant c'est que cet effet sur moi il est temporaire, c'est-à-dire que quand je viens de le faire évidemment bon, on peut dire la peau est irritée, elle est gonflée, bon. Mais le lendemain en effet, il y a une vraie différence. Ça, c'est pour les premières séances. J'ai l'impression que là, donc on en arrive à la fin de la 4e semaine, j'ai le sentiment que les résultats perdurent plus longtemps. C'est-à-dire que le 2e jour, il y a encore du mieux. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est vous donner rendez-vous à la fin des 10 semaines. Des 10 semaines... Au terme desquels, je vais y arriver, on considère que le traitement d'attaque est terminé et qu'on peut passer un traitement d'entretien de 1 fois par semaine et vous dire ce que j'en pense. Est-ce que j'ai regretté, alors, non pas vraiment mon investissement, mais mon cadeau de Noël, ça aurait pu être mon investissement aussi, et puis quelque part c'en est un, puisque j'ai choisi ce cadeau de Noël-là plutôt qu'un autre. Donc est-ce que ça valait le coup ou pas? Voilà, je vous donne rendez-vous dans 10 semaines, mais ce que je peux vous dire, c'est que les résultats sont déjà très intéressants, et donc on verra si ces résultats intéressants consistent toujours dans un résultat éphémère, ou si ça se consolide, et que je vous dis
au top, lâchez-vous, achetez-le, achetez-le. Voilà. Donc, à dans 10 semaines. En attendant, je vous donne rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.